Pouf pouf! Donc on est reparti, les gars. Désolation. Désolation mode. On va aller voir ce qu'il est possible de faire. Alors, on est sur un serveur FR, donc normalement, on devrait croiser des FR. Genre là. Hello? Hello, guys? Hello? Salut? You speak French? Hello? No? Speak English? No English? Don't shoot. Allez, c'est maintenant et tout de suite. Mais la hache, je crois que ça sert à... Oh, sac à dos. Merde, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Inventaire. Bon, je vous ai dit que c'était un serveur français, mais pff, on va pas se mentir, il y a quasiment pas de français. Hein. Allez, go! Allez. Il va pas vouloir, je vais devoir le vider. Non, ce serait pas mal, il y a du stuff et tout. À mon avis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. On va essayer un truc. Bon, attendez, on va faire ça. Voilà. Ça, on met ça là. Allez, hop. Après, je fais ça. Et après, je fais ça. Allez, go. Voilà, ok, parfait. J'ai donc... Putain, j'ai pas changé de sac, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. Non, mais non, je me suis trompé. Chier. Moi, ce que je veux... C'est le sac militaire, et je veux ça. Hop, et la hache. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je vous disais? J'ai oublié. Si, c'est un serveur français, mais il n'y a pas beaucoup de français. C'est comme ça. Ouh, le petit Taurus des familles. Au niveau du stuff, c'est plus simple que Daisy, on va pas se mentir. On trouve du stuff assez facilement. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la communauté qui est sur le jeu, pour le moment, écoutez, je sais pas trop... J'ai moi-même fait un petit peu mon bâtardé en tuant quelques bambis et genre je tire et après je dis que je suis friendly. Parfait, j'ai trouvé une carte. La map ressemble à ça, donc c'est Chernarus. On ne peut le voir que si on a une carte. Je ne sais pas exactement où je suis. À mon avis, c'est pas indiqué, mais bon, bon, je savais déjà à quoi ressemblait Chernarus. Donc la map de Daisy. Et donc on est sur le mode désolation pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas. C'est tout simplement le... Un nouveau mode qui vient de sortir sur Arma 3. Le mode est gratuit, bien évidemment. Et c'est du Daisy sur Arma 3. Donc, moi, personnellement, standalone, je l'ai. J'y arrive pas sur standalone. Je suis vraiment pas bon. Tout m'énerve sur ce jeu. Marche simulator, comme j'aime l'appeler. Alors que Arma 3, bon, voilà, 1400 heures de jeu. J'aime bien. Pour pas dire beaucoup. Et dès qu'il y a un nouveau mode, j'aime bien l'essayer. Et là, en l'occurrence, celui-ci, je trouvais ça cool. Monsieur Game, pouf pouf. Est-ce que j'ouvrirai un serveur dessus? Ou Game, ouvrir un serveur sur ce type de mode, c'est devoir faire beaucoup de modération. Et j'ai déjà assez de modération à faire avec mon serveur live, donc nope. Nope. Par contre, PVP tue et foutre le bordel, ouais. Le petit Taurus des familles. Donc là, je commence à voir quelque chose de sympathique. J'ai un petit Taurus. Un petit Taurus. Il y a moyen de... Il y a moyen de faire pas mal de bordel avec le Taurus. Donc, j'ai mon Taurus, je suis sur un serveur FR, avec la vue, comme vous pouvez le voir, en mode régulier. Vue troisième personne, vue première personne. Donc ça, ça reste très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, normalement, les serveurs viennent de reboot, en fait. Parce que pour tout vous dire... Putain. Pour tout vous dire, c'était pas sûr que j'arrive à stream ce soir sur le mode... Parce qu'en fait, les serveurs sont juste complètement full. What? Les serveurs sont juste complètement full. C'est-à-dire qu'il y a une heure, impossible de sco, tous les serveurs étaient full. Là, il y a eu le reboot. Donc, je pense qu'il doit reboot à 21h ou 22h. Du coup, c'est possible de jouer. Bon, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Bienvenue à ceux qui arrivent. Zephrod, j'espère que t'es majeur pour te demander ça. Coucou Sacha, bienvenue à tous les gars. Bienvenue, bienvenue. Ouais, le petit headshot. Le petit headshot des familles. Alors la Chromecast permet d'envoyer du contenu avec son téléphone sur sa télé. Ah ok Elite, je savais pas cette petite truc. Ouais, le travers du turfu, mais je suis sceptique quand même sur ce travers. Voilà, si tu veux, j'ai mes des doutes. Bon, je dis juste ça, j'ai mes des doutes. Je dis pas que... Voilà, mais... Je comprends pas trop. Déjà, je vois pas comment il a fait pour me voir. Et même s'il avait réussi... Enfin, même s'il avait réussi à me voir rentrer dans le bâtiment,
Vu qu'au bout du bâtiment, il y a deux côtés, comment a-t-il fait pour m'avoir dans la pièce où il y avait les casiers? Enfin, du moins, s'il a réussi à m'avoir dans la pièce où il y avait les casiers, comment a-t-il fait pour me voir, sachant que j'avais changé de pièce? Je sais pas. Peut-être qu'il était dans la montagne de l'autre côté. Bon, ça me paraît bizarre, vu comme j'étais mis. Je sais pas trop. On va aller voir. Je stream jusque quelle heure? Pff, je sais pas, tu verras bien. Quand le stream s'arrête, c'est que c'est fini. Voilà. Faut faire quoi qu'on ait plus whitelist du serveur Arma 3 Game? Faut aller sur TS. Ça, je l'ai déjà dit. Faut aller sur TS. J'avais pas remarqué la caméra en couleur, mais c'est pour vous dire que, qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur, ça ne change rien. Normalement, genre cristalline, un peu plus bleutée. Mais sinon, ça change rien. Enfin, je suis blanc, donc du coup, voilà. Je suis blanc, je suis souvent habillé avec des fringues noires ou blanches. Donc bon, bah, du coup, voilà quoi. Hein. On va pas se mentir, ça fait pas une grande différence que je stream en noir et blanc ou pas. C'est quoi ce spawn de merde? Je sais même pas où je suis. Je pense qu'on va se suicider. Ce qu'on va faire. Attendez. Ou alors je suis près d'une base militaire, non? Un conseil là, pour ceux qui connaissent Chernarus ou Daisy, je suis où? Je suis où et c'est quoi le mieux? Que je tente le suicide ou de refaire ma vie à l'étranger? Voilà, petite punchline qui est placée comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Où c'est que je suis? Non, je change pas de jeu, mec. T'inquiète. Si tu veux avoir du Gmod, faut que tu changes de stream. C'est soit je suis près d'une base militaire, ou dans ce cas c'est très intéressant, soit je suis horrible. Ouais, je suis beau gosse en caleçon, t'as vu ça? Combien de mémoire pour Arma 3? 45, à peu près, par minute. Qu'est-ce que j'en sais? Ouais, suicide, rips, moi je pense aussi, ouais, je sais même pas où on est là. Re! Furicantin, pouf pouf, bienvenue à ceux qui arrivent. Bon allez, on va faire le suicide, je sais même pas où on est. Est-ce qu'on peut se suicider sur ce jeu? Alors normalement... Voilà, normalement on peut faire ça. Putain, il reste pas sous l'eau le vilain en plus. Ouch! On a Dunkerque. L'eau elle est verte. Enfin, même si à Dunkerque elle est plutôt marron, mais bon. Petit bichon, bon allez go. Meurs tranquillement. Allez, meurs vilain. On va mettre ton... Ce qui aurait été marrant, c'est qu'il y ait plein de corps dans le fond de la flotte. Parce que du coup, ceux qui spawnent ici, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne se suicident pas dans l'eau? Allez, meurs. Ils doivent... Bon, je sais pas. On va voir. Comment il s'appelle ce mode? C'est Désolation, je l'ai mis dans le titre. C'est un nouveau mode sur Arma 3 qui vient de sortir. Enfin, je ne connaissais pas avant. Il n'est pas très très connu en plus. Tant mieux, au moins j'ai pu me co sur les serveurs. Allez, meurs. Depuis quand tu mets autant de temps pour mourir? RM, merci pour le follow, mec. Bienvenue. Ah, merci. Abandonné. Oui, allez, go. Refile-moi un bon spawn. Bon, alors, par contre, un bon point, c'est que c'est cool pour respawn, despawn, respawn. Tout ça, c'est bidon. Vraiment pas compliqué. Logique, échappe, suicide. Oh, tu vas me dire que quand on fait échappe, on peut se suicider. Intéressant, ça. On va aller voir ça. Allez. Et là, j'ai le même spawn pour me punir. Voilà, le jeu a décidé de me punir. Est-ce qu'on a le même spawn? On va voir ça. Dans 4 ans, t'as 7000 viewers si tu fais comme Aikiliou. Qu'est-ce qu'il a fait, Aikiliou? Oui! Parfait. Je sais pas où on est, mais ça me semble bien. Alors, bon, bien évidemment, hein, j'ai pas de carte. Parce qu'il faut que je la loot. Dans mon sac à dos, comme dans Daisy, une lampe torche que je peux me servir comme arme, même si ça sert à que dalle. De l'eau, de la flotte, des bandages. Un petit menu Shift I qui me permet d'accéder à un menu de craft et où je vois mes spécificités qui sont ici. La faim, la soif, si j'ai des trucs de cassé ou autre. Et on est parti. Je vais pas mettre de lampe, ça sert à que dalle parce qu'en fait, la lampe, on dirait que j'ai une arme. Et genre, si je croise quelqu'un, il va peut-être penser que je suis armé. Bon, donc en avant. Droite ou gauche? C'est quoi ces spawns là encore? On va aller par là, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Bon, en avant, on va voir. Toujours tout droit, on va voir ce qui se passe. Attends le train. Attends, tu dis ça, mais j'ai cru entendre un véhicule. Je sais pas s'il y a des véhicules d'ailleurs sur le jeu. Alors, Wycall, tout, bienvenue dans Arma 3 Désolation.
Avec ce menu, vous allez pouvoir trouver dead machin chose. Player Inventory, Shift plus I. Crafting, ok. Keybinding, F1. Inspect your own character, F2. Open instruction guide. Z, Y, use airplug. Oh, F1. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Quand je fais F1, j'ai la caméra qui est comme ça. Et donc F2, c'est LED. Attendez, je regarde rapidou. I have absolutely no... Bon, j'ai pas faim, j'ai pas soif, tant mieux. De toute façon, on avait rien à bouffer. Day, night. In désolation. Venusal, please note. Be over a lot faster. Ah, ok, donc la nuit passe plus vite que le jour. Ça, tant mieux, parce que la nuit, c'est vraiment pas de couilles quand t'as pas de JVN. Et shopping wood. You need a hatchet. Après, on doit aller dans la forêt. Ok, on peut récupérer du bois, donc ça, c'est cool. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il est possible de faire sur ce jeu de malheur. En avant. Slimane Pouf Pouf. Bienvenue, les gars. Bienvenue, bienvenue. Frazik, premier stream avec toi. Bah, pareil, Frazix. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je me mettrai pas en plein de la route au cas où. Ouais, mais bon. Tu sais, j'ai pas de stuff, donc en soi, je me fais tuer maintenant. C'est pas grave, je respawn. Est-ce qu'on peut se suicider? Ouais, on peut faire réapparition, donc c'est cool. Allez, on y croit. Ce qu'il faut, c'est pas bien. Oh putain, je pensais qu'il y avait du stuff. Qu'est-ce que c'est? Attends. C'est des champignons? Ah oui, c'est des... Fuh, comment ça pète? Comment s'appelle ce champignon? Oh, je sais plus. À l'époque où... j'allais cueillir des champignons, à l'époque, je connaissais pas mal les champignons. Maintenant, je dois vous avouer, j'ai un peu perdu. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Bon, là, on y croit. Super, les spawns. Ouais, non, mais Mick, c'est pire que ça. Les spawns, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, on y croit. On y croit. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait des champignons dans Chernarus. Peut-être que sur Arma 3. Oh là, la map, elle arrête de charger. Tu vas me dire que je... c'est pas possible. Mais je suis où, là? À mon avis, on va mourir en boucle jusqu'à trouver un spawn... Oh non, me dis pas que j'étais du mauvais côté. Pourquoi il n'y a plus d'arbres? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de graines? Attendez. Oh non. 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 Oh putain. Genre. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop Arma 3, une map, vous imaginez un carré, un gros carré. Le gars travaille à l'intérieur de ce carré. Et à l'extérieur de ce carré, il y a ça. Voilà, ça s'arrête comme ça. Fuh. Donc là, t'es plus dans la map. Là, t'es dans la map. Bon, on va pouvoir se suicider et retenter l'expérience. Donc on va tester la réapparition. Voilà. À un moment donné, oui. C'est quoi ces spawns, sérieusement? Par contre, faut pas que je me déco, j'arriverai pas à me reco sinon. Il y a trop de monde sur le serveur. Surtout pas que je me fasse éjecter. Le serveur, il est full? Ouais, le serveur, il est full. Tous les serveurs sont full, là. C'est vraiment un truc de cinglé. Je vais vous montrer. Les serveurs désolation, c'est un truc de cinglé. Regardez. Ça, c'est les serveurs désolation, donc les serveurs sur lesquels je joue actuellement. Moi, je suis sur un français. Vous pouvez checker. Magnifique. Il y a du peuple. On va pouvoir PVP tranquillou. Bon, on y croit. Ah, je me suis fait troll par le jeu, on peut le dire. C'est pas grave, on recommence. Ça va bien finir par passer. C'est quoi le principe du mode? C'est comme dans DayZ, tout simplement. C'est-à-dire que c'est du PVP, tu cherches du stuff, tu prends du stuff. Parfait, j'ai l'impression que c'est mieux. Funky! Bienvenue, Funky! Merci pour le sub, mec. Bienvenue, Funky! New sub. Merci! Bienvenue dans le clan. Plus, t'as un ancien sub, Funky. Les applaudissements du public. Merci, jeune loup. Bienvenue dans le clan. Pour terminer, c'est tout simplement, tu cherches du stuff, tu survis, tu PVP, et ainsi de suite. Voilà le but du jeu. Trouver des armes, tuer d'autres joueurs. Un peu comme dans DayZ, en fait. Sauf que là,
On est sur Arma 3 et je préfère Arma 3 en fait. Voilà. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Mais je crois que t'as un ancien sub, Funky, si mes souvenirs sont bons. Merci, merci. J'ai trouvé un vieux truc de prof, là on serait sur les serveurs life. Attends, j'ai jeté mes habits ou pas? Ouais, il faut que j'aille rechercher les habits. Avec mes habits, je peux faire des bandages. Avec les bandages, je peux me soigner. On va aller voir ça. Ok, forcément, ça glitch. Il n'y a plus rien. Bon, je sais pas où on est. Pareil. Je sais pas si on est bien ou pas bien. On va chercher un peu de stuff par ici. Peut-être dans l'usine là qui est sur la droite, il y a peut-être quelque chose, je sais pas trop. Alors. Je sais pas du tout où on est. Pas du tout. Appuie sur F1 comme ça on te voit. Voilà à quoi je ressemble. Un petit peu pédophile, si tu veux mon avis. Donc la caméra est très centrée sur mon organe masculin. Bon, est-ce qu'il y a du stuff ici? Alors on peut pas rentrer dans toutes les maisons, ça c'est trop bien. Peut-être par la suite, mais pour le moment on ne peut pas. À mon avis, il n'y a personne ici. Je sais pas par où je dois aller. Je crois que c'est par là-haut pour aller vers une grosse ville. On va fouiller l'usine. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Un truc de cool, c'est qu'on spawn directement avec un sac à dos. Ça c'est bien sympathique. J'ai vu une hache. Qu'est-ce qu'on a? On a un masque à gaz, on a une cagoule. Parfait, un petit peu de stuff, histoire de se stuff tranquillou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi, même si la porte est ouverte, ou même si ça a l'air d'être fouillé, je fouille quand même pour une raison toute simple. C'est que tu ne peux transporter qu'une seule arme sur toi quasiment. Donc si tu tombes sur une deuxième arme, bah tu vas prendre la meilleure, mais tu vas forcément laisser une arme. Bah moi je passe derrière, je prends une arme, tu vois. C'est pour ça que je fouille, même si ça a déjà été fouillé, on sait jamais. Je peux très bien tomber sur quelque chose de sympathique. Un sac à dos, pourquoi pas. Généralement, quand t'as un sac à dos, bah, c'est tout, quoi. Tu laisses les autres sacs à dos, donc on va voir. Avant, on va voir ce qu'on peut trouver. Il y a de la bouffe. Ça, je prends. Je préfère le Z11 ou le NZXT. NZXT, il est beaucoup plus joli. Mais il est à côté, il est beaucoup plus gros aussi. Il est beaucoup plus lourd. Mais il est vachement stylé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, les trucs qui volent, bah, ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais on s'en fout. Alors, de la flotte. Parfait. J'ai bien fait de rentrer. Il y a des trucs à prendre. Est-ce qu'il y a des armes? Qu'est-ce que c'est que ça? Des antibiotiques. Parfait, ça peut toujours servir. Un couteau. Je sais pas du tout à quoi ça sert, le couteau, encore une fois. À quoi sert le couteau? Bon, le couteau sert à rien, j'ai l'impression, c'était bien pensé. Ah. Une tente? Genre. Oh, c'est stylé. Je viens de trouver une tente. Allez, on prend tout, on s'en fout, on fait notre éboueur. On prend tout le stuff. Tant pis. Tant pis pour les autres, tant mieux pour nous. Bon. Est-ce qu'on va tomber sur des armes? C'est bête que je me sois fait tuer la fois d'avant parce que j'avais un bon petit piou-piou. Il y avait moyen de faire quelque chose. Il y avait moyen. Oh! Enfin, je fais oh, mais c'est peut-être pas ouf. Mais bon, on va aller voir quand même. Qu'est-ce qu'on a là? On s'en fout. Alors, est-ce qu'on a du stuff sympathique? Je ne pense pas. Pouf pouf! Bienvenue à ceux qui arrivent. Funky, on a parlé il y a pas longtemps. Si, c'était sur League of Legends, Funky, qu'on a parlé ensemble. Je disais bien que j'avais déjà vu ton pseudo. Ou alors t'étais peut-être pas un sub, peut-être que c'est sur TS que je te vois souvent. Je sais que tu joues souvent avec Nico, je crois bien. Après, bon, les pseudos, je les retiens jamais, Funky. Hein. J'ai déjà du mal à me rappeler du prénom de ma copine. Bon, tu te doutes bien que ton pseudo. Voilà. À moins qu'on ait déjà couché ensemble, Funky. Dans ce cas-là, bon, désolé. Désolé, désolé. Ouh! Je crois qu'il y a quelqu'un. Alors, on est sur un jeu qui est très 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 buggé. C'est-à-dire que je peux passer à travers. Je peux passer à travers le sol assez facilement. Donc, on va éviter de faire le fou. On va monter sur le toit. Peut-être qu'on. Là, il y a un mec.
Oh, on peut glitcher le sol, c'est magnifique. On va aller voir. Damien Pouf Pouf, Mathieu, bienvenue les gars. Ça sert à quoi la tente? Je sais pas. Vous l'avez vu? Hi guys. Salut. Don't shoot. Hello. I have a tent for you if you want. You like Quechua camping? Yeah, I hear you. Do you want a tent for sleep? Decathlon. What's that? Don't shoot, don't shoot. I'm friendly. I'm no weapon. Ok? I'm not gonna shoot, I'm not gonna shoot. Ok, don't shoot me. Do you want a tent for sleep? Are you a new What? Are you a new spawn? Yeah, new spawn. So please don't kill me because I'm friendly and I have no stuff for you. So if you kill me, you kill me. But I have no weapon, no food. But I have a tent for you if you want. You want my tent? Pour camper sur ton Your toit? what? Vilain, va. Salopard, va. Don't shoot me! You see me? I have no weapon! Ok? You see? No weapon, no gun. Ok? Yeah, I see. Ok. Ok. Don't kill me, please. I'm a little boy. Yep, would you like to come along with me? Yeah, if you want, we can team play. But I have no weapon, so if you can give me a weapon, I can help you if you want to kill another player. Ouais, je parle anglais, j'avoue. That's all right. I'm not going to give you a weapon just yet. J'avoue, je So parle why un don't peu you go down anglais. the ladder and I'll follow you, Putain, je vous okay? déteste, les gars, vous ne méritez pas, je vous jure. What? Vous ne méritez pas, les mecs. Can you go down the ladder first, please? A ladder? What is ladder? Can you go down the way that you came up? Done. You, if you want, I can outside. Okay, follow me then. Ok, I follow you. On va essayer de l'entuber d'une force à la Jackie Michel. Il aura jamais vu ça. Bon. On va descendre. De toute façon, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de te dire. Putain, le mec, il campait au-dessus, quoi. Mais il y a vraiment des gars qui n'ont pas de respect. Hein. On va le prendre à sec. Ok, I follow you. On va le prendre à sec. Le mec, il campait au-dessus du bâtiment. C'est n'importe quoi. Bon, j'avoue, je l'ai fait aussi dans l'épisode d'avant. Mais moi, je gardais du stuff. Tu vois, j'avais une excuse. This is the tent, man. You see? On the floor. The big bag. Yep, This is a tent. yeah, I see it. Je vais peut-être éviter de faire le fou avec. Here, you can pick it up if you wish. Ok, I have one in my bag. Ok. I have one in my bag, Where voilà. are you from? Hello, my name is David. Hello, my name is David and I'm from French. France. And you? Where are you from? I'm from America. I America. take a little bit of French, so. Ah. Speak French. What word did you know in French? Mon Dieu, mon anglais. Let me think something up. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oh, nice. Very good. Mon Dieu, c'est tellement drôle. Voilà ce qu'on peut faire sur un Daisy Mode aussi. On peut se faire des copains américains. Je vais l'entuber à sec, le vilain, vu qu'il campait. Parce que ça, à mon avis, il y a des munitions, je pense. Son petit fusil, j'aime bien. La hache ne sert à rien, pour ceux qui me disaient, prends la hache. La hache ne sert à rien, on peut même pas la prendre dans les mains. On va le suivre. Il était là-haut, quoi. Non, mais please, mec. Tu te respectes pas quand tu fais ça. Do you,
I just did a presentation on Breton. Ok. Do you know that area well, or? On se croirait dans Jacques et Michel. Allez, en avant. Bon, faudrait que je trouve des armes, moi. C'est pas tout ça, mais hein. C'est pas avec mes petites mains que je vais l'entuber. Plus, je suppose qu'il sera prioritaire sur le stuff, vu que c'est lui qui a l'arme. Donc bon, on va voir. On va voir, on va voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je peux traduire. Hein. Ah, le mec se démerde mieux que toi. Mieux en français que toi en anglais. Tu sais que Bastien, ton icône de modérateur, je peux te la retirer? Non, je connais pas l'endroit, je sais pas où on est. Je vais le suivre. C'était ça qu'il me demandait? Je lui ai dit ok. Ok. Ouais, il a l'air sympa, ouais. Dans mon lit? Non, mais il voudra jamais me prêter son flingue, t'es cinglé. Bon, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles un petit peu. On va le suivre. You have a friend in the server? Non. You are alone? Oui. A wolf. Wolf alone. Loup solitaire, je crois que c'est ça. Alone wolf. Alone wolf. C'est stylé, loup solitaire. C'est dans un de mes bouquins là, le livre dont vous êtes le héros. What? Non, 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 non. Ok, let's go. Le petit what are you speaking to me? I don't understand what you telling. Ouais, je me suis fait mon premier copain, Funky. Je suis content. Ça démarre comme ça, hein. Peut-être une grande amitié, peut-être que dans 2 ans je streamerai avec lui du DayZ et qu'on sera top monde. On sait pas. C'est pas, on sait pas. C'est pas, ça commence comme ça, enfin vous rigolez, mais. Peut-être que dans 2 ans, enfin je sais pas, j'aurais été chez lui, il sera venu chez moi, il serait peut-être marié avec sa fille, je sais pas. On lui demandait quel âge il a. Alone Wolf, Alone Wolf. Mais si, c'est ça que j'ai dit, gamer. Ouais, c'est ma biatch. Bon, on va pas lui dire. Parce que biatch, c'est un mot anglais. Je pense qu'il sait ce que ça veut dire, lui, par contre. Par contre, si je le prononce mal, il va peut-être me demander pourquoi je dis que c'est une belle plage. Ah. Ok, alors zombie, zombie, zombie. Un marteau. Si j'avais un marteau. Hammer. I have found a hammer. Culture G, vocabulaire. Toi-même, tu sais. Je vais demander quel âge il a. How old are you, man? Faut que je me concentre pour la réponse. How old are you? Putain, faut vraiment que je fasse des efforts de prononciation. Huh? What's that? Oi, old are you? Putain, si ma prof d'anglais me voyait. 17. We got a zombie. I gotta shoot the zombie. 17, il a 17 ans. Oh, nice shoot. Ok. You're a young player, so. A young player. 17, ouais, 17 ans. Sinon, c'est 70 ans. Bon. Mon avis, il a plutôt 17 ans que 70 Oui. ans. J'avais compris, 17 ans, c'est moi qui vous l'ai dit. Heureusement que je suis là pour, hein, pour faire la Je communication. suis Ah. June. Ouais, yeah. Il y aura, a little boy. Ok? Et là, il se retrouve. Et là, il se retourne, il me tue. Il a pas aimé ma blagounette. I am 24 years old, ok? 24. Yes, 24. 24. Okay, cool. Yeah. I'm very cool. Il y a qu'en anglais que je peux dire ça. Tu sais, en français, ce serait si je te dis que je suis super cool, ça fait bizarre. Do you need food? Yeah, if you want, I can give you food.
Ah, wait, I search. I search. Evening, guys. Est-ce que j'ai faim? Non. Non, non, non. I'm no hunger. Il veut pas me filer son fusil, là. C'est mon copain, les gars. C'est mon nouvel ami. Alright. Did you hear another person speak? I hear another player. Be careful. Maybe in this house. Il y a un autre joueur qui vient de parler. Maybe he speak in a side channel. Or global channel, maybe. That's possible. On va aller voir. En plus, ça désingue tellement que limite, le mec, je peux lui passer devant. Il arrivera même pas à me toucher. C'est ma bitch. C'est ma chose. Come this way. Oh, you see? The dead body? Oui. Oh! It's a player! Yeah! Yeah! It's a player, man! It's a player! I have no weapon! No weapon! See! It's a light! Ok? No weapon! But I take a cloth, ok? For craft a bandage. Et je vais prendre son chapeau de brousse aussi. Je trouve ça joli. Oh non! Ah non, j'ai entendu deux tirs. Donc, c'est pas mon ami américain, c'était un autre. Alors, qu'est-ce qui se dit? À plus, Bastien. Bon, on va respawn, c'est pas grave. Putain, on s'est fait défoncer par un mec, je sais même pas où il était, ce vilain. Je sais même pas son prénom, en fait. C'est dommage, j'aurais dû commencer par ça. J'étais mal élevé. Je sais même pas commencer par ça. Non, c'est pas Standalone, les gars, on est sur Arma 3. C'est Daisy, c'est Désolation. Mode Daisy un petit peu. Putain, je suis dégoûté, il a fallu qu'il y ait un idiot qui nous tue. Fais chier. Fais chier, fais chier. Tu parles anglais comme une vache espagnole. Bon, moi, je parle anglais. Après, si j'ai un accent espagnol, bon, ça, c'est un détail. Ouais, on va essayer de le retrouver, mais bon. Trouver un Américain sur un serveur Daisy, tu vois, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, hein. À peu près pareil, hein. Il y a peu de chances que je le trouve. Ou alors il s'appelait Belladonna, il vient de se connecter. Ou peut-être Lessal. Je sais pas, on va essayer de spawn rapidement. J'en étais sûr en plus, forcément. Il y a un corps, je m'approche, forcément on va se faire défoncer.